Ça t'en dit. Tu fais encore l'école aujourd'hui. Ce n'est pas bon, hein. Ça t'en dit. Tu n'entends pas. C'est pas bon ce que tu fais. Hein? Tous les jours, c'est la même chose. Ce soir, je vais te signaler à tes parents. Allons-y. Je lave les mains deux par deux, l'un après l'autre, et on entre en classe. Vous allez vous laver les mains. Sans se bousculer, bien sûr. Vas-y, viens. Deux tissus. Allez, viens. Vous attendez derrière. Viens devant. Prends ton cahier. On amène le cahier à la récréation, je t'ai dit. On a un. Allez, entre les doigts. Voilà. Hein? Est-ce que tout le monde a pris note de la situation d'évaluation? Oui, mais... Bien, nous allons passer aux travaux individuels. Nous allons prendre 10 minutes pour les travaux individuels. Cet Ondi n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Non, maître. Non, maître. Cet Ondi est absent. Est-ce que quelqu'un a de ses nouvelles? Depuis plus de 2 semaines, on ne le voit pratiquement plus. Maître, oui. Cet Ondi ne veut plus aller à l'école. Chaque jour, il quitte la maison comme s'il venait à l'école. Puis en route, il prend une autre direction. Ah bon? Oui, maître. C'est vrai, maître. Cet Ondi fuit l'école. Il va marauder et chasser les rats. Je ne l'ai pas vu, hein. Il est. Le voilà. Laissez-moi gérer. Il est rentré ici. Il va creuser. Est-ce que c'est un bon comportement que cet Ondi adopte? Non, maître. Alors, quel est le comportement qu'un bon enfant doit avoir? Monsieur. Oui, Asiba. Un bon enfant doit aller régulièrement à l'école. C'est vrai? Oui, maître. Faites un bon pour elle. Bien. Qu'est-ce qu'un bon enfant doit encore faire? Ici, maître. Oui, Bossou. Un bon enfant doit respecter ses parents, oui. Le maître et la grande personne. Vous êtes d'accord? Oui, maître. Faites un bon coup, Bossou. Bien. Qui va compléter la réponse de Bossou? Oui, Félix. Un bon enfant doit respecter ses parents, oui. Le maître et la grande personne. Il doit respecter aussi ses camarades. Très bien, vous êtes d'accord avec lui? Oui, maître. Alors, faites un bon à Félix. Alors, qui veut ajouter quelque chose à la réponse de Félix? Oui, Roland. Un bon enfant doit aussi travailler et être propre. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, maître. Alors, faites un bon pour Roland. Faites un bon pour vous-même. Bien. Maintenant, nous allons continuer la leçon. Nous allons faire le travail individuel et après, nous passons aux travaux de groupe. 10 minutes. C'est ton lit. Maintenant que tu as refusé d'aller à l'école, dis-nous ce que tu veux faire désormais. Papa, je ne veux plus aller à l'école.
Je veux apprendre à coup de vos avis pour gagner beaucoup d'argent. Mon fils, qu'est-ce que tu appelles beaux habits? Et pour qui? Les beaux habits, c'est les vestes, cravates, chemises avec pantalon. Vestes, cravates. Tu veux coudre ces habits à qui dans notre village ici? Vraiment? C'est ton dit, tu veux parler de haute couture? Oui. Mais ça, c'est trop fort, hein? C'est haute couture que tu veux faire? Oui, c'est ça que je veux faire. Papa, c'est ton dit. Moi, je ne connais rien dans toute cette affaire de haute couture. Seulement, je veux que cet Tondi apprenne à faire quelque chose pour ne pas devenir brigand demain. Cela veut dire que cet Tondi va quitter le village pour aller à la capitale, à Port-Novo. Et il va y vivre. C'est ça que je veux. D'accord. On va voir. Vas-y, on va. Tu veux partir? Ton enfant qui te ressemble, là, voilà ce qu'il veut faire. Quand ce n'est pas bon, on dit qu'il ressemble à sa maman. C'est pas grave. Bonjour, patron. Oui, bonjour, monsieur. Nous sommes venus vous voir. D'accord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que je peux connaître l'objet de votre visite ici? Oui, d'accord, patron. Mais je vous remercie pour l'accueil. Non, 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 ça l'a servi. Si je suis venu vous voir, c'est à cause de mon garçon, Setondi. Il veut devenir apprenti couturier. J'ai décidé de venir l'inscrire et vous allez le lever comme votre propre enfant. Il va rester avec vous. S'il fait une bêtise, il faut le corriger comme vous corrigez vos propres enfants. Inscrit qui? C'est ton dit, non? Papa, c'est ton dit. C'est ton dit à quel âge? Et puis il a étudié jusqu'en quelle classe? C'est ton dit que tu vois là. C'est ton dit n'est pas un enfant. Hein? Il a déjà 10 ans. Il a étudié jusqu'en classe de CE1. Il a refusé d'aller à l'école. Il veut apprendre le métier de couture. Moi, je pense qu'il faut que cet ange retourne à l'école. Ah. Et bon? Il faut qu'il reste avec vous, ses parents. Ah bon, hein? C'est ça. Aucun patron sérieux qui veut respecter la vie là, ne doit prendre comme apprenti un enfant âgé de moins de 14 ans. Ah bon? Oui. Et puis ici, pour entrer en apprentissage, il faut avoir tout au moins le BPC. Tous ceux que vous voyez ici, qui travaillent comme apprentis ou ouvriers, ont tous le niveau de la classe de terminale. Ah bon? C'est ça. Tu ne peux pas avoir tout. Tu ne veux rien pour nous. Absolument. C'est votre métier qu'il veut apprendre. La seule chose que vous pouvez, c'est de retourner cette année à l'école. C'est ça. Ok. D'accord. Je vous en prie. Bien compris. Merci, patron. C'est ton livre. Tu t'en fais pas, d'accord? Ne t'en fais pas. Il faut continuer l'école, d'accord? Tu t'en fais pas.
Maman, c'est ton dit. Oui, papa, c'est ton dit. Je suis sûr que ton garçon doit être là où les gens sont en train de faire l'animation. Depuis qu'il a refusé d'aller à l'école, il ne cherche que là où il a des manifestations. Et puis, ce garçon qui te ressemble, trait pour trait, geste pour geste, depuis qu'il m'a fait promener vainement à Porto-Novo à la recherche d'un atelier de haute couture qui puisse le prendre, tu n'as plus abordé le sujet. Mais papa, c'est ton dit. Tu m'accuses pour rien. Qu'est-ce qu'une femme a à voir dans l'orientation des enfants et principalement celle d'un garçon? Je comprends. Quand la situation devient difficile, la femme démissionne toujours. Donc si je dois compter sur tes conseils pour envoyer cet ange à l'apprentissage, il doit vieillir à la maison. Moi, je ne sais plus ce que je dois faire pour être au moins une fois appréciée par mon mari. Quand je parle, c'est mauvais. Quand je décide de garder le silence, c'est aussi mauvais. Vraiment. En tout cas, le sujet que moi j'aborde est plus important pour qu'on me serre ces commérages-là. J'ai déjà pris mes responsabilités. Demain, Seton J va commencer l'apprentissage chez le vulganisateur qui est en face du jardin public d'Adjoum. C'est le seul patron qui a accepté de le prendre. La vulganisation. Seton J vulganisateur. Et... Attends, on va. Les gestes de coucou là. Là, j'en dis, mais. Il faut bien attacher ça. Pour bien mettre les minots d'hôtel. Donc, on va nous prendre. Si c'est pas l'arbre, vous êtes. Didami, Dan. J'irai préparer. Tu as demandé l'aide. Comment ça va? Vraiment mon frère, c'est dur hein. J'espère que tu as un peu de gaillard dans ton sac pour moi. C'est vrai, plus rien n'est facile. Mais je peux te trouver 200 francs si tu acceptes de me rendre un service. Sans problème, mais quel est le service? Je vais te confier ce vélo et ce sac. Je fais un tour à Porto-Novo et je reviens. Mon vieux, écoute, où est-ce que tu as trouvé ce vélo et puis le sac? Ça t'en dit quel est ton problème? Le vélo m'appartient. C'est bien mon nom, mon vie qui a écrit sur le vélo, non? Je ne m'y connais pas très bien. Toi-même, tu sais que je n'ai pas beaucoup été à l'école, non? Toi aussi, fais un petit effort. C'est bien mon nom qui a écrit là, non? Voilà, tiens un peu d'argent. Tu vas acheter Gary et Clucli. Je reviens ce soir. Comme convenu, tu me surveilles bien mon sac et mon vélo. D'accord, sans problème. Vulcanisation là, ça t'intéresse mieux que l'école. Je t'assure mon frère, ce n'est pas facile hein. Tous les jours tu vas taper pour nous jusqu'au soir, sans rien manger. Mais c'est vrai hein, rien n'est facile.
même le vol. Bon, du courage. Je vais demander à partir. Au revoir. Qui sont ceux qui travaillent ici? Mais voici mon vélo et mon sac. Oui, c'est vrai. Où avez-vous trouvé ce vélo, ce sac? Mais je les découvre au même moment que vous. Hé, c'est ton dit. Où est-ce que tu as trouvé ce vélo et ce sac? Enfant de diable. Écoutez, monsieur, nous vous embarquons, vous et votre apprenti, devant le chef brigade, puis devant le juge, vous allez vous expliquer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas volé. Je dis que je suis venu voir ce vélo et ce sac ici. C'est à cet ongi de vous l'expliquer, non? Je vous jure, pardon. Je n'ai pas volé. Même au goût, le Dieu du fait, c'est que je n'ai pas volé. C'est mon fils qui m'a confié le vélo et le sac. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je n'ai pas volé. N'est-ce pas, monsieur patron? Oui. Ne savez-vous pas que cet ongi était mineur? En plus, il n'a même pas encore 14 ans. Mais où est mon problème là? Ce sont ses parents même qui me l'ont amené pour que je lui apprenne mon métier, non? Écoutez, monsieur, nous vous embarquons devant le chef brigade, puis devant le juge, vous allez vous expliquer. Vraiment. Mais... D'ailleurs, c'est une infraction que de prendre un enfant à l'apprentissage avant l'âge de 14 ans. OK? Qu'est-ce que moi... Quoi, mon problème? Creepy man out.